passionnant. Ouais. Qu'est-ce qui vous a plu? D'abord, nous avons pris le système du jeu de cartes par référence à ce que le Central Command américain avait fait pendant la guerre d'Irak, où d'une manière extrêmement choquante et indécente, ils avaient présenté la chasse aux anciens dirigeants de la dictature irakienne sous une forme de jeu. Donc nous leur avons renvoyé l'appareil. Le pic, c'est ceux qui organisent la politique, qui sont les maîtres du système. Le carreau, ce sont ceux qui tirent des revenus financiers, économiques de ce système. Le trèfle, ce sont les forces de répression, l'armée des États-Unis, les services secrets. Et le cœur, c'est ceux qui justifient ce qui est en train de se faire, les services de communication, ceux qui donnent une apparence morale à ce dépeçage en règle du reste de la planète. Si vous voulez, il y avait deux aspects. Hein. Il y avait le fait de montrer que c'est lui qui détermine la politique étrangère des États-Unis, bien plus que le président et encore plus que le secrétaire d'État. Mais il y avait aussi le fait que Donald Rumsfeld est un homme qui, nous semble-t-il, a joué un rôle très particulier le 11 septembre et après le 11 septembre, et que nous voulions pointer cette prise de pouvoir qui était la sienne.